Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PES 2017, le mode vers une légende, avec une rencontre face à Chelsea en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, Chelsea, gros match, ah, c'est un gros match. Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tullet. Salut Grégoire, toujours un plaisir de commenter un match avec vous. Le stade entier vibre au son de l'hymne de l'UEFA Champions League. Allez, on va passer parce que j'ai peur que sur YouTube, ça pose quelques soucis. Allez. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren? Je pense que Thiago Silva peut jouer un grand rôle dans cette rencontre. Begovic. On dit souvent de lui que c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde et c'est bien mérité à mon avis. Ses interventions sont toujours propres et puis quelles. Ah oui. Ah, la frappe de Lucas et l'arrêt du gardien. Oui, c'est bien possible. Il est une base indispensable à son équipe. Premier corner dans cette rencontre. C'est repoussé par la défense. La reprise. Ouh, la frappe contrée. Kurosawa. Waouh, le ballon perdu, Ross Barkley. Et la récupération. Torres. Torres pour Lucas et l'arrêt et la touche maintenant. Le ballon pour Torres. Ah, Torres bien pris par Ross Barkley. Oh, la faute. Et le carton jaune. Souffrir, ça inquiète ses coéquipiers visiblement. Et la défense qui s'offre un répit. Allez, Kyle. Pressé, qui récupère ce ballon. Et Torres qui récupère. Oléron part directement dans l'axe. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Hazard. Allez, Eden Hazard. Et la récupération. Thiago Silva. Aurier, il centre directement. Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. Aucune équipe n'a encore fait la différence dans cette rencontre. Allez, John Obi-Mikel. William. Pour William. Obi-Mikel. Oscar. Et la récupération. Il va falloir revenir de Paris pour un long centre dans la profondeur. Allez, ça peut faire mal. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Ouh, Begovic qui capte. Et Eden Hazard qui est passé là. Ça manque un peu de solution. Face à Verratti, Oscar. C'est récupéré facilement. Et la récupération de Aurier. Thiago Silva. Pressé. Dans le dos de la défense. Allez, Torres. Est bien placé. Qui va centrer, c'est contré, ce sera un corner. Ce sera un corner. Ouh, la barre. Alors là, c'est un grand manque de réussite. Ah. La barre transversale, alors qu'il avait mis nouveau corner. Tout son monde. Quelle location, attention. Et la mi-temps sur ce score de 0 à 0.
Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer ce soir. 0-0 à la pause, on espère simplement qu'en seconde période on aura un ou deux buts. Attention, Diego Costa et la faute. Et le coup franc pour Chelsea. Frappé par Willian. Aïe 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 aïe. C'est extraordinaire. On vient d'attaquer la seconde période et il est déjà en feu. C'est le contraire qui aurait été surprenant venant de lui. But magnifique. Oh, c'était parfait. Le gardien ne pouvait rien là-dessus. Waouh, c'est une frappe fantastique. Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance. Aïe aïe aïe. Il avait déjà marqué dans cette compétition. C'est donc son deuxième but. Et ils ouvrent la marque. Ils ont débloqué leur compteur, mais ça n'a pas fait taire les supporters pour autant. 1-0 pour Chelsea. Joli travail à deux. Oh, l'occasion. Oh, il est passé. Ouh, la frappe est l'arrêt de Begovic. Il ne se pose pas de questions. Et la touche. Oh, voici Lucas Moura. L'interception, bien joué. C'est repoussé. Begovic qui dégage. Mauvaise intervention. Ah, la faute là. Oh, Barclay. Tant qu'on le garde au but, il est inoffensif. C'était bien défendu ça. Torrejón qui subit un marquage très serré. Rien d'anormal. À l'avant-centre a toujours beaucoup d'amis. Enfin, je parle d'amis. Ah. Vous avez compris. De l'activité sur les bancs de touche. Allez, Cavani qui rentre, remplacé par Ressé. Waouh. Ça s'active sur le bord du terrain. Barclay qui sort maintenant, remplacé par Van Ginkel. La bonne interception. Et c'est intercepté. Mikel. Allez. Oscar Costa. Costa pour repartir proprement. Ça joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Et face à une défense regroupée, c'est ah oui, le ballon pour Cavani. Ah, qui cherchait Torres. Pastore. Ah, c'est contré. L'équation elle est toute simple, surtout ne pas perdre. Il joue dans l'espace. Le ballon pour Torres. Ballon Cavani. Torres. Passe intercepté. Ouh là 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 là. C'est le dernier changement. Pastore qui sort. Interception sur la touche, bonne anticipation. Matic. Ça peut être dangereux. Ah, encore contré. C'est vraiment dommage, il lui manque toujours un petit quelque chose. Hasard. Ah oui. Oh okay. Non. Allez, allez Verratti. On est maintenant dans les arrêts de jeu. Va dessus, au pressing. Allez, Hazard. Va au pressing. Bien. Lucas, bien servi sur le côté. Le danger est écarté. Ah, et la défaite. Et la défaite de Paris face à Chelsea. Dans un stade qui gronde, qui trépigne. Oh, ça s'est joué à pas grand-chose. Ils auraient pu gagner, mais ils ouais. S'inclinent sur la plus petite des marges. À mon avis, le résultat nul aurait été plus logique. L'homme plus du match, juste, c'est Willian. En deuxième période aurait été fatal. Aïe 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 aïe. Et la défaite, 10 points. Chelsea est 3ème. Ah, dommage cette défaite là. On a dominé ce match.
Et là, on va jouer demain face au Stade Malherbe de Caen. Et on est titulaire. Eh bien, les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde! Go, go, go.